ça fait du bien! Wouh! Ah! Espérons que je vais pas me tomber par terre, hein? J'espère que vous allez bien, gang! Moi, ça va super! Tant que je tombe pas par terre, ça va super bien! La route est quand même pas super, là, tu sais, il y a plein de garnottes, trucs dégueulasses comme ça, là, mais il y a pas de neige. Mais bon, c'est vraiment pas un beau printemps. Vraiment pas. Ah, ça, je me sens tellement tout léger, ça fait 3 mois, la dernière fois. Moi qui est habitué d'en faire tous les jours, là, ça fait 3 mois que j'en ai pas fait. Oh, je suis tellement content de retrouver mon bébé. Le muffler, il a été arrangé, là, il est... Mon père a changé la laine, là, ou je sais pas trop quoi, là, à l'intérieur, là. Donc là, il est un petit peu moins bruyant. Sérieux, j'espère que je vais pas tomber par terre parce que... Mon père me regarde, là. Ben, il est en arrière, là. Ça serait gênant de tomber devant lui. Ça fait tellement du bien, vous pouvez pas savoir. Non, mais c'est ça, on a vraiment un printemps de chenoute. Ceux qui sont québécois, ils savent que là, le printemps, c'est pas un beau printemps. Ben, c'est pas encore officiellement le printemps, mais en tout cas, c'est pas bien parti. Juste un matin, il faisait moins 25. Là, il fait à peu près 3 degrés. Ah, ici, faut pas que j'aille vite. Parce qu'il y a plus de gaz, faudrait qu'on aille en mettre. Attention, ça peut être dangereux ici. En tout cas, il va bien pour sa première ride, là, il va vraiment bien. Ah, désolé, là, je parle pas beaucoup, là, ça paraît peut-être pas parce que je coupe les bouts, là, mais... Tu sais, je suis tellement pris par l'émotion que j'arrive pas à trouver les mots. Non, mais tu sais, c'est ça, on a vraiment un pas beau printemps, là. Juste... Je vais vous montrer une photo de ce que ça a l'air. Cette semaine, c'est beau. Il annonce beau, mais il fait vraiment froid le matin. Donc, je peux pas prendre le matin. Il y a juste l'après-midi qui fait au-dessus de zéro. Donc, c'est correct l'après-midi. Mais tu sais, il annonce tout le temps de la neige, du froid. Là, si on regarde la plus grande tendance, 14 jours. Tu sais, c'est sûr que 14 jours, ça change, là, pis tout. Mais il annonce de la neige, toutes sortes de cochonneries. Puis même en début avril, il annonce pas encore chaud. C'est pas très beau, là. C'est moi, j'étais bien déçu, là. Mais finalement, j'ai pu le sortir plus tôt que l'année passée. L'année passée, c'était le 25 mars. Là, on est le 21 mars. Regardez, là, je suis dans le fond, là. Alors, faut pas s'attendre à ce qu'il aille vite, là. C'est la première ride de l'année, là. Là, je vais aller mettre de l'essence. Parce que là, je roule au vieux gaz de l'année dernière. Presque vide. Oh, une belle petite Integra. Woo! Bon, ça, c'est dangereux, dangereux, dangereux. Ça, c'est mes LED. Je vais en reparler un peu plus tard dans un prochain épisode. Ben, j'en ai déjà parlé, là, mais en parler encore. Buick Century. Ouais, mais là, je vais aller souper. Puis après, je vais retourner faire une ride plus en noirceur. Ben, ça, là, c'est. Je vais aller souper. Char électrique de marde! Ça, c'est un hot Ford Ranger, par exemple. Ça, c'est hot. Ça, c'est hot. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est hot. Ça, c'est dégueulasse. Oui, donc, on va se retrouver tantôt après le souper. À tantôt.
Ouais, donc c'était une promenade fabuleuse. C'est toujours le fun de retrouver son bon vieux chum. Mais bon, c'est ça, résumé de la première promenade, il va très très bien. Il accélère très bien, il roule bien, il a un beau son. Il allait vraiment bien. Juste, j'ai l'impression que j'ai perdu un petit peu de vitesse, puis c'est normal. En tout cas, je crois que c'est normal, parce qu'après un hiver, puis tout le temps qu'ils s'en remettent un peu, là, d'habitude, je roule minimum 80. Moi, mon scooter, il peut rouler 80 comme il peut rouler 85, comme il peut rouler 90. Là, j'ai réussi à prendre presque 70, là. Mais j'aurais pu prendre plus que 70, mais... Mais tu sais, là, c'était une zone de... Non, je dirais pas, là. C'était une zone de 150, là, on va dire. Mais bon, là, je vous ai parlé que la température était dégueulasse, justement. Je vais aller vous montrer ça, ça a l'air de quoi, justement. Regardez, ça, c'est la température en ce moment, 3 degrés, moins 1. La semaine, vous voyez, c'est quand même assez beau, 3. Ben, tu sais, pour moi, là, vu que c'était... Pour nous, vu que c'est... C'était un hiver de chiottes. Là, ça fait du bien de voir des trucs au-dessus de zéro. Mais ici, vous voyez, ça commence déjà à être pas très beau. Si on va sur une tendance de 14 jours... Arc! Attends, ici, ça leur monte un peu, mais regardez ici. Wesh, 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 wesh. Regardez-moi les températures mauvaises que là, les frettes, là. Ça, c'est même pas la température... ça, c'est même pas la température ressentie, hein. C'est moins 8 comptes, mais peut-être que la température ressentie, c'est quasiment moins 20, là. C'est n'importe quoi. Puis j'ai vu en arrivant qu'il y avait une belle article, on va voir c'est quoi. T'es où? Ah ouais, des niaises. Une grosse surprise au début du mois d'avril, c'est quoi ça? Ça n'a pas été de la neige. Petite annonce de colon. Un peu de répit pour terminer le mois de mars au niveau des températures. On a eu dans la dernière semaine des températures particulièrement froides. En début de semaine prochaine, les températures vont remonter dans les normales de saison, autour de 4-5 degrés. Et on pourrait même terminer le mois avec dans le dessous de près de 10 degrés. Mmh. Pendant ce temps-là, le vortex polaire, dont le dôme d'air froid, est bien présent dans le nord du Canada pour la dernière semaine de mars. Mais malheureusement, celui-ci va te cacher, toi. Pour le début du mois d'avril. Donc, on peut avoir une température très froide de 10 à 15 degrés sur les normales. Donc, des maximums qui ont peine à dépasser le point de congélation. Donc, les nuits sous les moins 5, moins 10 degrés. Donc, l'hiver reste accroché sur nos régions. Non, mais c'est ça, comme vous pouvez voir, c'est encore dégueulasse. Vraiment, là, c'est pitoyable, là. Mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment mauvais, là, puis... Mais bon, on va se consoler, puis là, je vais aller souper, puis après, on va aller se faire une belle petite promenade. Ouais, monsieur. Bon, ben, c'est parti. Comme vous pouvez voir, c'est dégueulasse, parce que... Il y a encore comme la ligne de tape, là, qu'on voit, là. C'est encore, c'est comme pas... La lumière est pas pareille, là. Ben le globe, voyons, la vitre là, genre, on voit qu'il y a eu du tape là, que c'est lettre, faudra nettoyer ça maintenant. Mais bon, c'est parti. Oui, donc les températures sont vraiment dégueulasses. Sérieusement, non, c'est vraiment pas beau là, c'est loin d'être le printemps. Dommage. Mais bon, il y a de mes abonnés qui ont sorti leur scooter avant moi. Hashtag Simon Bédard. Hashtag ticket le premier jour qui sort son scooter. Ah! Oh, le ciel est super hot en arrière, attendez. Là. Je me retourner juste pour vous montrer ça. Là. C'est vraiment hot. Ça vaut... Regardez-moi ça. Et c'est hot au bout, là. Attends, je vais faire une petite photo. Pour la miniature. Ah, c'est beau ce scooter-là, hein? Hey, j'aime pas ça, mon attache GoPro, là, mais pour attacher ma GoPro, il y a comme un... Je sais pas comment ça s'appelle, là, les petits trucs cloques, là, pour que ça s'attache, là, comme que c'est sac à dos, tout, là. En tout cas, il y a un petit bout qui manque brisé, là, donc c'est lousse un peu. Tout le monde me regarde, genre, what the fuck, qu'est-ce qu'il fait avec son scooter, lui? Je connaissais. Mon scooter, je crois vraiment qu'il y a moins de power un peu là, dans la vitesse maximale. Là. Mais c'est pas grave, il va bien. Hey, lui aussi a des LED sur son pick-up. En parlant de LED, je suis content. Il y en a qui trouvent ça beau, il y en a qui trouvent ça pas beau. C'est ça que je m'attendais aussi.
sais, il y en a qui aiment mieux que ça soit en dessous, puis tralala, là. Ben moi, je le trouve beau comme ça, donc je suis content. Je respecte l'opinion de ceux qui trouvent ça lettre, ou plutôt qui aiment pas ça, là, qui trouvent ça trop, too much, comme ils disent. Ben moi, c'est jamais assez. Ouais, ben là, je m'en vais un petit peu campagne, là. Pas assez pour faire un vivre la campagne, mais un petit peu de campagne, là. Un chemin habituel, là. En tout cas, la plupart de vous avaient vraiment hâte pour le premier scooter vlog parce que, tu sais, je poste une vidéo là. Puis dans les commentaires, ça parle même pas de la vidéo que j'ai mise. C'est genre, hey, c'est quand le prochain scooter vlog? Hâte au prochain scooter vlog là. Ah ouais, je vous comprends, moi aussi j'avais hâte. Mais oh, ça me déçoit tellement la météo de cette année là. Oh. J'ai juste pensé à ceux en France qu'ils peuvent faire du scooter à longueur d'année, puis je suis jaloux d'eux. Non, mon scooter il a plus de la misère que d'habitude. Là. J'espère que c'est parce qu'il fait plus froid, par exemple. Oui, mais j'ai remarqué aussi que j'ai donné pas mal envie à certains de commencer à faire des scooter vlogs. Tant mieux. Mais je suis le pionnier. En tout cas, je crois que je suis le premier Québécois à faire des scooter vlogs. Ah non, il roule quand même pas si pire, là. Je crois que je suis pas une 80. Là. On va faire un petit top tantôt. Hey, c'est hot, mes petites lumières ici. Bon, on va clencher un peu plus ici. Regardez, il clenche pas mon scooter là, ça descend un peu puis je pogne à peine 80 là. Regardez là, ça descend là. 85 à peu près. quand j'ai un élan. Peut-être presque 90. Ford Aerostar! Wouh! Bon, ça fait partie des lumières débiles qui détectent pas les deux roues. On va bouger un peu, là, question qu'elle nous détecte. Ah, j'ai un petit peu fret avec mon manteau de cabane. Ah, ça, c'est un beau camion. Ouh! Oh, un Dakota 92 à peu près à 96. T'as de la misère à monter à côte. Je suis dans le fond, là. Je suis dans le fond. Moi, 70, c'est à peu près ma vitesse. Genre, c'est la vitesse que le scooter est capable de prendre facilement, puis que je reste habituellement toujours dans les alentours de 70. Là. Mais je sais pas si cette année je vais retourner à Drummondville le faire ajuster. Parce que c'est vrai, il manque un petit peu de power pour être vraiment sa coche là. T'sais, disons que là je prends peut-être 80 justement là. 80 là. Moi 80 je trouve ça bon, mais ça pourrait être un petit peu mieux. 21 000, 69 km. Bon, ici, il faut que je fasse vraiment attention, c'est peut-être vraiment dégueulasse. Oh, wow! Regardez-moi ça, ce beau coucher de soleil, là. Attention! Ça peut être glissant. C'est drôle, parce que je me rappelle, en 2016, je me cherchais des gens avec qui faire du scooter, j'ai jamais trouvé personne. Puis là, cette année, j'ai comme l'impression qu'on court après moi pour faire du scooter. C'est vrai, il y en a plusieurs d'entre vous qui aimeraient ça. Une vieille grand-mère qui se fait arrêter.
Non, mais tu sais, ce que j'aime moins de mon scooter, c'est justement, il y a, quand je le mets dans le fond, il y a quand même, il fait pas mim, regardez, il repart tout doucement, regarde, je vais le mettre dans le fond. Tu sais, l'hiver a été, ben, non, l'hiver n'a pas été dur, en fait, il a été dans un garage chauffé, là, mais je veux dire, ça fait longtemps qu'il n'est pas parti, puis tout, là, je sais pas, là. Aïe, 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 va aller se promener un petit peu dans la ville, là. Le scooter vlog va peut-être être un peu long, mais c'est mon premier de l'année. Donc, c'est bien en faire un petit peu plus long. La route est quand même pas si pire à la date. C'est drôle, mais là, je trouve qu'il a accéléré particulièrement plus vite. Je sais pas, vous dites-le moi si ça vous fait ça, si ça vous fait ça là. Mais moi j'ai comme l'impression qu'il accélère plus vite d'une shot. Admettons que je suis à 0 puis je le mets dans le fond, il va plus accélérer vite que si je suis à 50 puis là je le mets dans le fond. Je sais pas si vous comprenez là, mais en tout cas, moi c'est ça. Hey, il manque un peu de power là-dedans. Ça c'est vrai par exemple. Il manque un peu de power. Plus put, là, là. Non, c'est vrai, là, mon scooter, il est vraiment plus un petit peu... il va vraiment bien, mais il est plus put, là. Moi, j'espère que c'est l'hiver, là. Oui, cet été, on va peut-être en Ontario. Et je vais peut-être réussir à convaincre mon grand-père qui a un pick-up de mettre... mon scooter dans sa boîte, puis que je puisse faire un, que je puisse vous faire un beau scooter vlog en Ontario, spécial Ontario. Puis Ontario, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est le, au Canada, là, c'est la province qui se situe à côté de, du Québec, justement. Ben, t'sais, c'est une belle place, là, des grands lacs, puis c'est bien beau. Bon, la qualité de la caméra, je sais pas ça ressemble à quoi, là. C'est peut-être dégueulasse un peu, il commence à faire noir. Attention, pas se péter la gueule. La rue de mon enfance. Non, pas la rue de mon enfance. Ben oui. Ma grand-mère habitait ici là, quand j'étais petit. Souvenir de quand j'avais 3 ans. Là. Je m'en rappelle encore. C'est ici qu'elle habitait. Je m'en rappelle encore. On va tourner par là. J'ai plein d'affaires à vous parler, des sujets, mais là, je vais arrêter cela parce que ça, la vidéo doit commencer à être un peu longue. Puis je veux avoir des trucs à dire dans les prochains scooter vlogs. Oh, vieille Corolla 96-97. Oh, oh, attendez, j'ai quelque chose à vous montrer. C'est quelque chose de, qui était il y a quelques années bien ordinaire, mais maintenant que je trouve bien hot parce que c'est bien vieux. Je l'ai déjà montré, je crois, dans un de mes anciens, là, mais je vous remonte tout le temps mes affaires, puis c'est pas grave. T'as plein de garnottes, c'est dangereux. Je sais pas ça, une vieille Plymouth Voyageur. Une 91 à 95. I love it. C'est vraiment dégueulasse, mais je trouve ça hot. Mais c'est ça, cet été, je vais aussi essayer de me faire des beaux petits road trips. Si j'étais avec d'autres personnes, tant mieux. Si je suis seul, ben je vais être seul. Mais tu sais, quand je parle de road trip, c'est pas genre en Floride, non. C'est genre quand même du bon petit kilométrage durant dans les routes du Québec. Genre, je sais pas, peut-être Fort Mines. Notre-Dame-des-Bois, je sais pas, pas en tout, là, mais promener dans ma région un petit peu plus loin. Mais bon, les amis, c'est ça qui conclut le premier scooter vlog de l'année 2018. J'espère que vous avez aimé ça, que j'en fasse un si tôt que ça. Et le 21 mars, c'est vraiment tôt pour un scooter vlog. Ça va peut-être vous faire un petit peu patienter en attendant le prochain, je sais pas, il va être quand. On va voir si la température le permet. Si vous êtes content, vous avez aimé la vidéo, ben mettez le pouce en l'air, likez.
Vous pouvez vous abonner aussi, ça va me faire bien plaisir si ce n'est pas fait. Vous pouvez commenter, dire vos impressions, puis ce que vous pensez de ce premier scooter vlog, etc. Et je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Ah ouais, puis désolé si c'est la même intro, là, c'est parce que j'ai pas encore eu le temps de faire une nouvelle intro. Je vais attendre d'avoir plusieurs prises de scooter 2018 pour mettre ma nouvelle intro, pour faire ma nouvelle intro. Mais c'est ça qui est ça. Salut là!